les petits clous, bienvenue sur notre chaîne YouTube Funko Pop Fanatique. Une chaîne familiale et réservée au pop. Vous êtes toujours aussi nombreux à nous suivre, ça nous fait plaisir. De plus en plus d'abonnés, ça nous fait plaisir aussi. Aujourd'hui, nous allons faire un épisode un peu spécial sur les Funko Pop Vaulted. C'est quoi Vaulted ? Eh bien, Vaulted en anglais, ça veut dire la voûte. Ça n'a pas grand rapport en fait. Les Vaulted en fait sont des figurines qui sont soit en arrêt de production chez Funko, soit en rupture de stock chez certains grossistes, certains vendeurs. Donc c'est des figurines qui de toute façon valent de l'argent, minimum 50-60 dollars, 50-60 euros au minimum. Vous avez derrière ici quelques petites figurines, Elvis Presley, super rare, Michael Jackson. J'ai les 5 et Orange Mécanique, j'en ai 2. Là aujourd'hui on va vous parler de Deep Pop, un peu sympa, qui sont des Funko Pop Vaulted. Première pop, Lily Rose. Pour ceux qui ne connaissent pas, là on est dans l'univers du catch, c'est El Mysterio. El Mysterio en fait, c'est une pop qui est sortie en 2014. La rubrique, c'était la rubrique sport, voilà, WWE. Alors j'ai pas la boîte, je suis désolé. Elle est quelque part enfouie au fond de mon garage, dans une caisse avec d'autres boîtes. J'ai 1400 pop, donc forcément j'en ai quelques-unes derrière. Au début je gardais pas les boîtes, mais j'ai quand même un sacré paquet de boîtes. Donc je vous la retrouverai un jour. Là vous avez donc El Mysterio, ok ? Lui, elle est Vaulted, on la trouve plus. Deuxième figurine du top 10 d'aujourd'hui, vous allez le reconnaître, surtout les anciens, il s'agit de Hulk Hogan. Célèbre catcheur des années 70-80, le gars il est né en 53, 12 fois champion du monde de catch dans plein de catégories différentes. Et pour la petite anecdote, il a fait pas mal de tournages, pas mal de films et notamment une série. L'autre fois je suis tombé dessus en zappant par hasard, et c'est vrai, un épisode de l'Agence Touriste où il va castagner des mecs avec Mr. T. Voilà, vous aurez bientôt également un reportage, un épisode sur l'Agence Touriste parce que je les ai tous, le van et compagnie. Donc là on a fait le tour des catcheurs, on va ensuite enchaîner avec un autre personnage, le troisième, qui est également Vaulted. Il s'agit de Judge Dredd. Alors celui-ci, il est cool, il est de 2013, voilà. Tout le monde se rappelle de Judge Dredd. À la base, c'était un comics, bien sûr, mais c'est surtout le film avec Stallone, en 95. Vous vous rappelez sûrement, la loi, c'est moi, et vous êtes en état d'arrestation. Non, je fais pas bien la voix de Stallone, c'est pas terrible. Tu connais pas trop, ben voilà, Sylvester Stallone. On va continuer avec un autre robot, si on peut dire, un autre personnage, un autre Funko, Vaulted. Robocop. Ça, je le connais. Il est, lui, pour le coup, assez mortel. Et si vous voyez bien là derrière, je l'ai en double. Enfin bref. Donc, film de 1988 de Paul Verhoeven. Donc lui, c'est pareil, c'est un réalisateur cultissime. Et Robocop, c'est juste extra, quoi. Avec le personnage qui s'appelle Alex Murphy, on s'en rappelle tous. Alors, regardez pas le Robocop 2, regardez pas le Robocop 3. Regardez le Robocop. Et le remake, il est pas mal non plus. Il est pas mal. Donc voilà, vous avez Robocop qui est vachement bien fait, qui est bien détaillé et qui est assez simple. Hein. Le Robocop, il est sorti je sais plus. Robocop, il est sorti, je vous le dirai, un peu plus tard. Voilà. Donc, après, on va enchaîner avec un personnage qui n'a rien à voir avec l'univers, les deux univers. Ouais. Alors, à la base, Lily Rose, c'est du Hanna-Barbera, c'est un dessin animé des années 70, et en France, nous, on l'avait, c'était Hong Kong Foufou. Alors, je crois que le dessin animé de 74, nous, notre génération à nous, on l'a eu en 76. Moi, j'étais petit, je me rappelle encore de Hong Kong Foufou. Lui, il est génial. Le bandeau, c'est un chien qui fait du karaté, Hong Kong Foufou, il est présenté avec son kimono, petit numéro de série, toujours dessous, qui va bien. Et t'as montré la boîte ? Enfin, tu l'as montré, ça ? Oui, il me semble. On va vous le montrer quand même, voilà. Donc au début, forcément, je ne gardais pas les boîtes. Voilà, donc ensuite, on va enchaîner avec mon personnage préféré de ce top 10. Il est extra, très très dur à trouver, franchement. Ça, c'est mon petit capital retraite, parce qu'il vaut très cher. On vous le met. Mars Attack. Il est extra, extra. Tim Burton, tout le monde s'en rappelle. Il est vraiment génial. C'est vraiment un de mes films préférés. Voilà, de Tim Burton. Il est sorti dans cette série, en fait, c'était la série Sci-Fi 01, voilà. Et il est juste extra, il est juste extra. Ils en ont sorti 15, c'est dommage, ils auraient pu sortir une petite série qui aurait été cool. Lui, il est sorti en métallique, il est sorti en phospho,
Il vaut très, très, très cher. Vous voyez, il est super bien fini quand même. C'est quand même du détail. C'est génial. C'est Mars Attack. Voilà. On enchaîne avec un robot que je kiffe également. Forbidden Planet, pour les puristes. La planète interdite, 1956. Roby le robot. Donc lui, pour le coup, il est pas mal fait. Voilà. Les Japonais sont très friands de tous les robots, sont très friands de robots de divers et variés. Mais celui-ci, franchement, je le trouve cool. Pour un petit bout de plastique, pour un Funko, il est génial. Et il est également Volted. On ne le trouve plus du tout. Voilà. Alors vous pourrez le trouver avec un peu de chance. Hein. Il y a sûrement quelqu'un qui le vend sur le net, sur un site. Mais vous allez le choper à un certain prix quand même. Voilà. Il ne sera pas cadeau. On continue avec un personnage qui n'a rien à voir avec tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Pareil, il est dans le top 10 des Volted. On vous fera d'autres épisodes Volted parce que j'ai plein de figurines qui sont introuvables. Là, il s'agit de Taxi Driver. Pareil, pour ceux qui se rappellent, le film est de 76. Robert De Niro interprète un jeune chauffeur de taxi. Le film est basé là-dessus. Et franchement, la pop est super bien faite. Il a sa crête, ses lunettes, son flingue. Enfin, moi, je le trouve, pour le coup, vraiment super bien fini. Voilà. Donc ça, c'est... Voilà. Peut-être un des rares personnages de De Niro, finalement. Je crois qu'il n'est pas beaucoup sorti en pop. Voilà, donc lui, les Volted. C'est l'épisode d'aujourd'hui. On continue avec l'avant-dernier personnage que je kiffe. Il est un peu passé aux oubliettes, c'est dommage. J'adorais. Il est sorti chez Funko Disney. C'est Rocketeer. Si vous vous rappelez, à la base c'est un comics, en 1982 et le film est de 91. En fait, c'est les aventures d'un jeune aviateur des années 30. Voilà, le casque il est juste ultime, super bien fait. Voilà, pour ceux qui sont fans du film, franchement, la figurine est juste bien faite. Voilà. On va finir avec le personnage que Lily Rose va vous présenter. E.T. Maison. E.T. Il est Volted également. Donc pour ceux qui se rappellent, E.T. Celui-ci est sorti en 2014. Voilà. Le film est sorti en 82. Spielberg. Alors, j'ai pas les personnages qui sont à côté. Je les cherche. Ils sont sûrement aussi Volted. Voilà. Donc E.T. il est quand même simple. Et pour la petite info, efficace. Ah oui, on a une super, super anecdote. Il y a eu une pub où il y a E.T. Et le garçon qui avait grandi, qui avait dans le 1. Et en fait, tout le monde croyait que c'était une bande-annonce, sauf que non, c'est une pub. C'était juste une pub, ouais, qui est super bien faite, qu'on a regardé encore cet après-midi. Et je vais vous donner la petite anecdote de cet épisode, qui est quand même assez sympa pour ceux qui ne la connaissent pas. À l'époque, dans les années 70, Spielberg vient de rencontrer un énorme succès, énormissime, avec Les Dents de la Mer, qui est un des films qui a rapporté le plus d'argent, plus qu'Avatar, plus que Titanic. Et il est en tournage du Rencontre du Troisième Type. George Lucas, qui lui tourne La Guerre des Étoiles, est un peu déçu par les premières rushes du film. Il pense que son film va être un loupé, que ça va plaire à personne. Ils se connaissent super bien, en fait, Spielberg et Lucas. Ils font un pari, tous les deux. Lucas lui dit, écoute, franchement, je te file 2,5% des parts de mon film contre 2,5% des parts de ton film. Ça te dit... Spielberg dit, ouais, pourquoi pas. Sauf que là, c'est pari gagné pour Spielberg, parce que Rencontre du Troisième Type rencontre, pour le coup, un public assez large, un bon box-office, mais par contre, La Guerre des Étoiles, c'est juste extraordinaire. Vous connaissez tous le succès grandiose de ce film, de tout ce qu'a fait, George Lucas par la suite. Et je crois que, de mémoire, c'est un budget qui avoisine les 2,7 milliards de dollars de bénéfices global pour La Guerre des Étoiles. Donc je crois que Spielberg a bien gagné son pari. Voilà, c'était la petite anecdote du jour. On espère que ça vous a plu. On continuera de faire des épisodes spéciaux Volted. Et aussi, abonnez-vous, ça nous fera toujours plaisir. Ah oui. Et aussi, posez des questions. Devinez les musiques de quel jeu c'est. Ah ouais, devinez la musique là qu'on écoute depuis tout à l'heure. Voilà. C'est plein de musiques groupées. Il y a quoi à gagner? Rien. Notre amour. Cœur. Cœur déformé. Voilà, on vous dit à bientôt. Pouce bleu, partage, et puis voilà, la chaîne Funko Pop Fanatique, on vous rejoint bientôt pour un nouvel épisode. Salut les petits clous! Ciao, ciao les petits clous!